Ouais, 21h29, on est bon. Y'a pas de boutique, Fetsu, y'a pas de boutique. Alors! Ici. Bonsoir, 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 comment allez-vous? Et Fetsu, y'a pas de sponsor, crypto, y'a pas de. Salut crypto, salut Fetsu. Comment vous allez? OnlyFans, y'a pas d'OnlyFans! Oh mais oh! Il y a un mime, mais il est caché. Non, je déconne. Quoi tu veux? Non, je déconne. Truc horrible. Des photos de consoles nues. Tu rigoles? Toujours dans le projet d'ouvrir ce truc de câble management. Ou les pires trucs de câble management, ça pourrait être marrant. C'est moi où j'ai la gueule cramée. Attends, on va faire ça. Allume le bureau. Allume le bureau. Voilà, merci. Ah bah tiens, la Xbox s'est allumée au passage. Il y a de quoi s'arracher la tête certains câbles managers. Ouais, une fois j'avais refait le. J'avais caché certains câbles pour un boulot. Mais c'était vraiment parce que j'avais pas le temps de le faire. Parce que sinon, il y avait plein de câbles qui traînaient partout. Et pour les photos, ça rendait dégueulasse. Je me suis pété le dos. À faire du... du patchwork. Et là, t'as son bureau au travail qui s'allume. Ouais. Non, c'est parce que la pièce qui s'appelle le bureau. La pièce qui s'appelle le bureau. Je suis un peu en retard. En plus, on était en train de se poser des questions sur l'aménagement, le réaménagement du bureau, enfin de l'appart, parce que bah, le bureau ne sera plus le bureau. La chambre du petit. Et donc, le bureau serait transvasé dans le salon. Et du coup, on est regardé pour. Pas perdre de place, mais pas perdre de rangement non plus, c'est compliqué. Salut Buffy. Compliqué, oui, oui, je dis du petit. De ma progéniture. C'est compliqué, c'est un casse-tête. En fait, c'était transvaser une partie de cette pièce dans l'autre. Il y a des armoires qui resteraient là, il y a des meubles qui partiraient. Je pense aussi qu'il y aura du rangement là-bas qui viendra, qui seront cachés là, entre guillemets. Le petit, il s'en rendra pas compte. Bon, et si on commençait ce livre dont vous êtes le héros? Alors attendez, normalement, j'ai cette truc-là, j'ai bien entendu. Les dés, donc là on a le dé simple, là on a le dé double. Comme ça on est bon. On a le bouquin cette fois. J'y ai pensé à comment à avoir noté le dernier chapitre, c'est-à-dire le 91. Et on va continuer. On est donc le 91. On a passé une bonne partie du précédent live à explorer le château. On est tombé sur des zombies. On est tombé sur plein de choses. On a la pierre toute pétée. Ah, mais pas de soucis, fais tout. On a la pierre toute pétée qui nous permet de réussir nos dés. C'est-à-dire la pierre de chance qui rajoute un plus 3. Un plus 3 ou un moins 3 à notre jet de dés.
Sachant que ça nous... parce qu'il y a les boules de feu, il faut un truc supérieur à 6 pour les pouvoir les lancer. On a les deux boules de feu. On va faire plus de 3. Non, faudra pas faire 2 en fait. 2 plus 3, 5. Il faut minimum un 6, donc si je manipule les dés pour avoir plus de 6, c'est bon. Bon, enfin, allez, bon, je m'assois parce que la dernière fois, j'étais... Là, je suis assez creux. C'est bizarre, donc ça se trouve, le live va être court parce que si on en prend le bouquin, on en est là à peu près, hein. On aurait fait les trois quarts, mais bon, comme c'est un bouquin où on se retrouve, on vient, on revient, on retourne, tout ça, sachant qu'il y a eu des chapitres qui étaient bien après. On n'a pas fait de temps du rêve. On a combien d'ailleurs? Bah non, on est au plus que le maximum. Donc là, on a 55 points. On n'a rien récupéré par contre. On a 10 pièces d'or. On a des points d'expérience. On a 10 points d'expérience. On ne pourra pas récupérer pour une prochaine aventure. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une dizaine de combats pour pouvoir avoir un point de vie permanent en plus. Voir notre premier point de vie permanent. Notre projet. Et on est reparti du coup. Hop, on est là, on est au 91, en haut de l'escalier. Après avoir... après être tombé sur une araignée la semaine dernière. Hein. C'est ça. Allez, une porte secrète particulièrement bien cachée. Un aventurier chevronné pourrait hanter ces parages durant des siècles sans jamais songer à chercher une porte dans un endroit pareil. Voyons, Pip, cela vaut toujours la peine d'aller voir ce qui se passe derrière cette une porte secrète. Mais vous pouvez l'ouvrir? Tout est là, il arrive que ce soit très difficile. Lancez donc vos dés. Si vous faites 2 à 6, rendez-vous au 94. Si vous faites 7 à 12, rendez-vous au 118. Et on fera un 8, donc on arrive au 118. Les portes n'ont pas de secret pour vous, Pip. Celle-ci s'est ouverte sans un bruit. Heureusement, car de l'autre côté se trouvent deux gardes, des colosses à la mine rébarbative, portant des armures de cuir et armées d'épées. Comme vous avez ouvert cette porte dans un parfait silence, vous avez l'avantage de la surprise, ce qui vous permet de porter le premier coup. Rendez-vous au 86. Là, on est de retour avant le chapitre. Parce que là, le 91, ça s'appelle au cœur du château des ténèbres. Donc le 86. Donc il y a de la corruption, mais on va pas le faire. Puis c'est de la corruption à 2 étoiles. 2 étoiles, c'était combien? On avait dit, je crois que c'était 100 000 pièces d'or. Hein. 1000 pièces d'or. C'est 500 pièces d'or. Donc on peut pas. Avec nos 1000 pièces d'or, ça va être chaud. Hein. Voilà une pleine bagarre, Pip. Que cela vous plaise ou non. Chaque garde possède 15 points de vie. Leur épée inflige 2 points de dommages supplémentaires et leurs armures le protègent de 2 points de dommages que vous pouvez leur infliger. Vous les combattez l'un après l'autre. Bonne chance. Donc, on a ici 86. Hop. Donc, 86. Garde. 15 points de vie, c'est pas énorme, hein. Donc 15, et nous, on part à 55. 15, l'un après l'autre, c'est-à-dire que... c'est chacun leur tour, c'est-à-dire que je m'en bats contre un à la fois. Donc comme j'ai l'avantage, je vais lancer le dé. Alors, sachant que j'ai un minimum de 4, hein, je crois. On va se battre avec Excalibur. C'est minimum de 4, donc. Ok, c'est les dés. Vu qu'ils ont une armure. J'ai pas d'avantage, donc ce sera pile poil les dés. Alors. On commence avec un 7 plus 3, ça fait 10.
Tac. Et bah, pour le premier, KO. Hop. Il est pas mort, il est juste KO. On a ça. On a ça. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le deuxième porter coup. Allez. Le deuxième porte un coup. 3. Bah il aura pas. Il faut qu'il fasse minimum 6. Et nous. C'est un 8. Donc, on avait 55 points. On va rajouter nos 3 points de lancer de dés. Ce qui fait 11. Il tombe à 4. Il est KO. Donc, on va rajouter 2 points d'expérience. Points. Allez, rendez-vous au 107. Donc si jamais on meurt, on retombera sur ces deux grands gaillards. Vous avez le temps maintenant d'examiner le lieu où vous vous trouvez. C'est 107, hein. Ouais, c'est ça. 107. Vous avez le temps maintenant d'examiner le lieu où vous vous trouvez. Une petite antichambre se poursuivant dans un unique couloir bien éclairé. Alors. Tac. Une petite antichambre se poursuivant par un unique couloir bien éclairé orienté vers le nord. Donc en fait, on a une antichambre ici. L'atmosphère y est très différente de celle de toutes les autres parties du château des ténèbres que vous avez déjà visité. Vous avez l'impression qu'il est habité. En tendant l'oreille, avancez avec précaution. Progressez le long du couloir qui se poursuit sur une quinzaine de mètres avant de déboucher dans un couloir orienté d'est en ouest. Vous y jetez un bref coup d'œil de part et d'autre. Le couloir est pour le moment désert. Mais il vous semble que d'un instant à l'autre, quelqu'un peut apparaître. Si vous décidez d'aller vers l'ouest en suivant le nouveau couloir, rendez-vous au 105. Si vous décidez d'aller vers l'est, rendez-vous au 96. Mais existe-t-il peut-être une nouvelle porte secrète si vous voulez examiner les murs pour la trouver, rendez-vous au 99. Donc, en fait, on a un couloir qui va comme ça. Et comme ça. Et peut-être potentiellement, donc là on a 99. On a l'est au 96. Alors ici c'est 105. Et là c'est 96. Je propose qu'on essaye de voir s'il y a une porte secrète. On aime bien les portes secrètes ici. Putain. Merde. Alerte Pipe. Pendant que vous cherchez cette porte secrète, un garde s'est approché subrepticement de vous et sans vous laisser le temps de vous remettre de votre surprise, il porte le premier coup. Ce garde dispose de 20 points de vie. Hop. Donc 99. Garde. 20 PV. 20, 55. Alors, il nous porte le premier coup. Et ça sera un 6. On lui retire 3. Il ne nous inflige rien. Quand... J'essaye d'insérer mon doigt dans le mur. Ah non, il lui faut un 3. Attends, c'était combien qu'il a fait? Le fameux passe-partout. Ouais, pas mal. J'aime bien.
Attends, il avait fait combien? Il a fait un 6. Il lui faut un minimum de 3. Donc, il nous touche. Il nous touche. Et ça fait donc... 1 plus 3, bah, il nous touche de 3 points, de toute façon. Donc, ce sera le résultat. Donc, 3. Ça nous fait 52. À moi. Oh, merde. 4. Donc là, on est à 2. Ça va faire 5. 5. Ici, il est à 15. À lui. 8. On va lui retirer 3. Donc, 5. Il nous touche de 5 points. Ça fait 47. Bon, même si on a une grosse avance, ça fait quand même chier. 5 et 5, auxquels je vais rajouter 3, ça va faire 13. Il est à 2, il tombe KO. Et nous, on gagne un point d'expérience. Donc pour le prochain passage, il sera vivant. Et merci, Joey de crêpes pour le phono. Bienvenue chez Ranger. Okay, alors, 99. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 150. C'est loin, 150, ça. Un autre ennemi a mordu la poussière. Vous ne vous débrouillez pas trop mal pour le moment. Si vous voulez continuer à chercher une porte secrète, rendez-vous au 134. Si vous retournez, faites un nouveau choix. Et allez au 107. On continue le passe-partout du fameux crypto. Allez, 134. 134. La persévérance est une vertu essentielle pour un aventurier digne de ce nom. Lancez les dés. Si vous faites plus de 3, rendez-vous au 143. Sinon, vous ne découvrirez rien et rendez-vous au 107. Si vous faites plus de 3... Sérieux, c'est un jeté de dés gratos, quoi. Bah, on va rajouter 3. Allez, on a découvert quelque chose. 143. On va voir que ça va être mauvais. C'est tellement évident que ça va être mauvais. Vous avez une sacrée chance, Pip. Vous avez découvert la chambre du trésor du sensier Ansalom. Et quelle découverte! Ouvrez grand vos yeux, de l'or, de l'argent, des pierreries à profusion, une véritable rançon de roi. Le vieil Ansalom a dû se livrer au brigandage durant de longues années pour amasser un magot pareil. Il y a même dans un coin une soue remplie de cochons couineurs. Si vous prenez le temps de faire le compte de ces richesses, vous arrivez à un total de 20 000 pièces d'or, 18 000 pièces d'argent, 25 émeraudes, chacun valant 500 pièces d'or, 61 rubis. Chacun valant 200 pièces d'or, 77 diamants, chacun valant 1000 pièces d'or, 18 cochons valant 3 pièces d'argent. Quelle découverte! En tout cela, et tout cela est à vous si vous parvenez à tuer le sorcier Ansalom. Personne ne vous reprochera de vous approprier ce trésor puisque vous l'aurez loyalement gagné. Mis à part les cochons que vous restituerez à leur légitime propriétaire. Vous pouvez prendre dans l'immédiat toutes les pierres précieuses et 500 pièces d'or. Pas plus, l'or pèse lourd. Et vous pourrez revenir plus tard pour empocher le reste. Lorsque vous aurez réussi à vaincre le terrible sorcier. Quel que soit votre choix, retournez au 107 et décidez de votre prochaine étape. Alors, donc 500 pièces d'or. Donc c'est déjà, on a 510 d'or. Et toutes les pierres précieuses. Attends, ça veut dire quoi? Parce que 25 émeraudes... Putain, on va les mettre dans le truc parce que là on peut pas les. Quoique, attends, si on le convertit en or, alors 25 par 500. Ouais, j'ai la flemme de sortir. Ou si plutôt 500 par 25. Donc là, ça fait 2500. Et ça fait...
fait 125 000, c'est pas dur. Hop. Donc là, on est à 125. Un peu beaucoup. Ça commence vraiment à devenir pété. Hein. 61 rubis valant chacun 200 pièces d'or. Donc 61 x 2, ça fait 122. Attends, je replace le calcul parce que... Pourquoi ? C'est pour connaître le nombre de zéros. 200. Et là, ça fait tac, tac. Ouais, bon, c'était pas si dur que ça. 200. Voilà, c'est ça. 12 200. Donc, 12 200... ici on est à 3, ici on est à 7, 137 310, 77 diamants d'une valeur de 1000 pièces d'or, donc on rajoute 77 ici, donc ça fait 11, ça fait 244, non 214. Même plus. 214. Des sucs cochons valant chacun 3 pièces d'argent. Donc là, là on a une sacrée bourse. Hein. Avec ting 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 ting. Ça fait là. Ouais. Vraiment, je me déplace. Ça fait beaucoup de choses. Alors, on retourne au 107 et on retourne du coup vers notre fameux couloir. Dans notre fameux couloir, on a le choix entre le 105 et le 96. Qu'est-ce que selon vous, on pourrait aller visiter? Je vous laisse le choix. Ou alors on peut faire ça au coup de dé. Moi, j'ai vraiment pas d'idée, j'ai vraiment pas de préférence. Soit on va vers l'ouest et on va vers le 105. Soit on va vers l'est et on prend le, on a le 96. Crypto l'est. Hop là. Les dés. Alors moi, comme je le fais au dé, comme je voulais le faire au dé, je propose un truc. On va lancer un dé. Si on tombe sur 1 et 2, on va à l'ouest. Et si on va, si on fait 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. On va à l'est, puisque Crypto a proposé l'est. Donc, un ou deux vers l'ouest. Et ce sera un 4, donc on ira à l'est. 96. Tac. Vous suivez le couloir qui aboutit 25 mètres plus loin à un croisement. Un coup d'œil au sud vous permet d'entrevoir deux gardes postés devant une porte. Heureusement, ils ne vous ont pas vu. Donc là, on a une porte par là. Je sais pas à combien de... Je sais pas à combien, mais il y a une porte. Oh là 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 là. Ils ne vous ont pas vu, mais ils ne manqueront pas de vous apercevoir si vous tentez de traverser le couloir ou si vous prenez la direction du nord. Au nord, le couloir vient buter au bout de 15 mètres vers, sur une porte de bois massif. À l'est, le couloir se poursuit. Donc au nord, on a pareil une porte. À l'est, le couloir se poursuit sur une quinzaine de mètres avant de déboucher sur le haut d'un escalier. Mais, pour prendre cette direction, vous êtes obligé de traverser le couloir nord-sud. Donc là, on a un escalier. À en juger par la disposition des lieux, vous ne pouvez qu'affronter les gardes à moins que vous ne préfériez revenir au 107 pour faire un nouveau choix. Mais si les gardes, si vous vous sentez assez de courage pour affronter les gardes, dégainez Skyber Junior en hurlant et précipitez-vous vers eux. Rendez-vous 95. Allez,
Moi, je suis d'humeur à... je veux tabasser les mecs. Hein? Eiji, à la main, vous vous élancez le long du couloir comme une tornade. Mort de la poussière, garde de l'infâme sorcier en salome, vous écriez-vous. Nobles paroles, Pipe, mais elles sont... mais sont-elles suivies de résultats? Vous portez le premier coup en raison de votre attaque surprise. Ensuite, c'est au dé de décider de l'évolution du combat. Les gardes ont chacun 15 points de vie, 2 points de dommage supplémentaires et une armure de 2 points de dommage qui fait un retrait de 2 points de dommage. Alors, on retourne au tableau des combats et on est au chapitre 95. On croise beaucoup de gardes. Hein. Au début, il n'y avait personne. Garde. On va l'avoir, ce point supplémentaire. 15 PV. Ça va. Ils ont pas de... ils ont pas de truc. Donc, un par un. C'est parti, le premier. On lui met un 8. 8 plus 3. Ça fait 11. On va le mettre KO. Donc, ça fait... il a un 4. On reste à 47, il est KO. Le second nous assène un coup. Il fera un 4. Moins... bon, ok, de toute façon, il ne nous touche pas. On lui assène un coup d'épée. Ça fera 6 plus 3, 9. Il n'est pas mort. Il est à 6 points. On va lui retirer 3. Donc du coup 5, il nous met pas de coup. Vraiment, c'est trop bien cette pierre, la pierre de chance. 3 et on va rajouter 3, on le met. On gagne. Hop là, mais non, 6, il avait 6. 0. C'est gagné. On rajoute 2 points d'expérience. Donc on était au 95. Si vous êtes le vainqueur, vous avez maintenant le choix entre pénétrer dans la pièce dont ils avaient la garde, rendez-vous au 138, revenir au croisement et prendre le couloir qui se dirige vers l'est, rendez-vous au 130, revenir au croisement et continuer tout droit, donc vers le nord, rendez-vous au 149. Donc on a sur notre plan, donc ici on va, donc ici c'est le 138. Ici, c'est le 149. Et ici, c'est le 130. Moi, je vous propose qu'on regarde ce qu'il gardait. Donc, 149. Qu'y a-t-il derrière la porte qu'il gardait? Ah non, c'est le 138, tu es con. Voilà. À certains égards, voici la pièce la plus étrange dans laquelle vous ayez jamais pénétré. S'il n'y a personne à l'intérieur, il n'y règne pas moins un prodigieux Capharnaüm. En fait, elle est encombrée d'un tel fatras hétéroclite qu'on peut difficilement juger de ses dimensions. Il y a un fourneau, des bancs, des étagères, des rayons, des placards, des sacs, des tonneaux, des futailles. La liste complète serait interminable. Au plafond pendent des lézards empaillés. Des herbes séchées, des têtes réduites, quelques crânes luisants et un squelette entier. Au mur sont tendues des bannières brodées de sceaux mystiques. Sur le sol, dans l'un des rares espaces libres, est tracé un cercle au centre duquel sont inscrits d'autres signes kabbalistiques. Un seul coup d'œil suffirait à vous renseigner. Vous êtes, cela tombe sous le sens, dans le laboratoire magique du sorcier en salome. Voulez-vous l'explorer? Rendez-vous alors au 128. Désirez-vous savoir ce qui va se passer si vous entrez dans le cercle magique? Rendez-vous au 144. Préférez-vous quitter cet endroit au plus vite? Rendez-vous au 95. Alors, je vais laisser le choix. Moi, je serais plus d'avis d'aller d'abord l'explorer. Et vous? Alors, soit on retourne dans le couloir, soit on explore, soit on regarde ce qu'il y a au cercle. Qu'en pensez-vous?
On explore. Je pense qu'on va partir sur une exploration. Un cercle, ça me paraît bizarre, tu sais, ça peut être un cercle démonique. Allez, on va... J'ai pas écouté, je vous suis. Allez, 128, on va explorer la pièce. Lancez les dés. Si vos recherches ont donné un résultat valable, si vous faites de 2 à 6, rendez-vous au 123. Si vous faites de 7 à 9, rendez-vous au 148. Si vous faites de 10 à 12, rendez-vous au 133. Allez! Là, on fait pas de pierre de chance, on regarde combien on fait un 5. De 2 à 6, rendez-vous au 123. 123. Rien d'intéressant ici. Pas d'issue non plus, retournez au 95 avant de décider d'un nouveau choix. Tiens, je voudrais regarder juste ce qu'il y avait. Donc c'était si on fait de 148, on aurait fait quoi? Une trouvaille intéressante. Il y avait une baguette magique. Ah dommage, on aurait pu avoir... une baguette magique qui maintient paralysé l'adversaire et on aurait pu l'attaquer 4 fois d'affilée. Et c'était quoi le dernier? 133. Je regarde, je suis vraiment curieux. On aurait découvert une boule de cristal où on voyait la reine, mais il n'y avait rien de plus. Bon. On a perdu une baguette magique, c'est dommage, mais du coup, on va retourner au 96. Alors, il nous reste le nord, vers le nord. Hop. Tac. Ici, c'est le labo. Donc au nord ou la porte au nord ou l'escalier à l'ouest ou explorer le couloir de l'ouest un peu plus loin. Moi je propose qu'on aille explorer au nord. Ça vous va? On peut donc, je rappelle, prendre l'escalier à l'est, aller à la porte au nord ou explorer le couloir qui est un peu plus loin à l'ouest. Moi, je serais d'avis pour aller à la porte au nord. L'escalier pour Buffy. Prépare les chapitres en avance. L'escalier, la porte au nord, crypto, est-ce que t'aurais une idée? Le 105, et où on revienne. Doit être... Alors moi, ce que je te propose, Buffy, c'est que on fasse ça au coup du dé. Pair, on va au nord. Impair, on va vers l'est. Ce sera impair. Donc on va aller vers l'est. L'est, c'est... l'est, c'est 130. Vous suivez tranquillement le couloir qui se dirige vers l'est. Tout en notant qu'il est beaucoup moins éclairé que les autres. Les torches murales
ont été remplacées par quelques lampes fumeuses très espacées les unes des autres. Et quand vous parvenez aux marches, vous constatez qu'elles sont de plus en plus, qu'elles se font de plus en plus rares à mesure que vous descendez. Au bas de l'escalier, il y a une porte massive, dont la partie haute est formée de barreaux à travers lesquels on entrevoit une sourde lueur rougeâtre. Oh, attendez. Pardon. Voilà. Donc, une sombre lueur rougeâtre. Cette porte est munie d'une puissante serrure. Un garde y est également posté. Par bonheur, il semble dormir à point fermé. On dirait bien, Pip, que vous avez découvert les cachots ou peut-être quelque affreuse salle de torture. En Salom, garderait-il la reine prisonnière ici? Comment le savoir? Si vous décidez de tenter votre chance en essayant de subtiliser les clés du garde pour ouvrir la porte du cachot, rendez-vous au 124. Sinon, retournez au croisement et faites un nouveau choix. Alors, moi, je propose que... Tac, cachot. Je propose qu'on essaye de subtiliser la clé. Hop. On va même subtiliser la clé parce qu'on n'est pas allé... Hein? C'est bien ça. À pas lent et précautionneux, vous descendez les dernières marches. Le garde ne s'éveille pas. Avec mille ruses, vous avancez la main pour lui prendre ses clés. Lancez les dés pour voir si vous réussissez. Si vous faites de 2 à 6, rendez-vous au 142. Si vous faites de 7 à 12, rendez-vous au 126. Alors, on fait un 7. 726. Quelle maestria! Vous avez donc subtilisé les clés au garde qui dort toujours. Utilisez-les pour ouvrir sans un bruit la porte du cachot et rendez-vous au 125. Vous êtes bien dans un cachot, mais également dans une salle de torture. Regardez donc les fers scellés au mur et la vierge de fer, cette espèce de placard qui ressemble à un sarcophage d'ailleurs, selon l'illustration. Cette espèce de placard en forme de cercueil garni de pointes à l'intérieur. Et le chevalet pour écarteler les victimes et les faire chauffer à blanc dans le brasier de charbon ardent. Le sorcier en Salom doit pouvoir causer de sérieux ennuis à ceux qui sont tombés en ce pouvoir. Heureusement, il n'y a personne à torturer pour l'instant. Pas étonnant que le garde se soit endormi. Surveiller un cachot vide ne réclame guère de vigilance. Cette pièce n'a pas d'autre issue, retournez donc au 95. Alors, il nous reste du coup la porte au nord en 149 ou le couloir à l'ouest. Moi, je propose que comme on est dans le coin, on aille au nord, on aille voir ce qu'il y a au 149. Parce que comme ça, on aura fait tout ce côté-là si jamais on doit revenir. Et puis comme ça, on continue de fouiller si jamais on tombe sur des trucs intéressants. Alors, le couloir nord se termine par une porte légèrement entrebâillée. Avec une extrême prudence, vous pouvez vous pousser le panneau pour l'ouvrir. Une salle de garde. Merde. Merde. Donc c'est une salle de garde. Salle des gardes. De toute évidence, il s'agit d'une salle de garde étant donné qu'ils sont rassemblés une quantité de pièces d'équipement militaire, épées, boucliers, dagues, lances, rangées contre les murs, sans parler des tables, chaises, assiettes, gobelets, dés, même témoignant de la présence d'un homme important de garde. Cette salle est vide. Ce qui paraît bien louche, Pip. Il y a deux portes, l'une dans le mur est, l'autre dans le mur nord. Donc, j'ai mal fait mon plan. Donc, une porte là... Une porte là. Si vous décidez de pénétrer dans la salle des gardes, rendez-vous au 122. Sinon, revenez au 95. Allez, tant qu'à faire. Ah, Buffy t'avait proposé l'ouest à la base. Tant qu'à faire, je suis aventurier. Je vais jusqu'au bout.
Vous avez atteint le milieu de la salle quand une voix douce vous murmure à l'oreille. « Il n'y a pas besoin de garde, Pip. Je lui suffis. » Vous vous figez sur place et vous vous retournez. Face à vous, vous fixant d'un regard de glace, avec un sourire rehaussé de crocs acérés, se tient un authentique, garanti 100% buveur de sang, vampire. Vous reste-t-il encore un peu d'ail par hasard? Si vous avez encore d'ail, et pas de tricherie, surtout que si vous l'avez mangé, c'est fini, rendez-vous au 132, sinon, rendez-vous au 147. Alors, bien évidemment, j'ai de l'ail. J'ai de l'ail puisque je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas bouffé, ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas bouffé. Mais l'ail, il est... Putain, il est où? Je suis sûr qu'il y avait de l'ail, il y avait de l'ail dans les sandwichs. Voilà, ici, de l'ail. Donc, hop, rien. Donc, rendez-vous au 132. Ah! Tel est le hurlement du vampire à la vue de l'ail que vous lui montrez. Il se prend la gorge à deux mains en se convulsant d'angoisse. Ah! Ses genoux cèdent lentement sous lui, son regard chavire, son visage pâlit. Enfin, il se pâlit encore plus, quoi. Son corps entier frémit. Ses crocs se détachent, il s'effondre comme un panta sur le sol. Il commence alors à se ratatiner, à rapetisser. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de lui qu'un minuscule tas de poussière. Des lambeaux de vêtements calcinés et une bague ornée d'une pierre d'une valeur de 500 pièces d'or au bas mot. Une vraie chance d'avoir eu cette taille sur vous, Pip. Bon, bah voilà. Je sens que... Donc on a 500 pièces d'or en plus. Je sens que on est bon là. Si vous voulez essayer d'ouvrir la porte du mur est, rendez-vous 136. Si vous voulez essayer d'ouvrir la porte au nord, rendez-vous au 127. Alors, la porte à l'est ou à la porte au nord? Là, j'ai pas d'avis. Je lancerais bien les dés, moi, personnellement. Mais en gros, là, on serait sur du 127 ici. Et du 136 ici. Les dés, ok. Et ben, allons-y pour les dés. Je propose un pair, on va au nord. Pair, on va à l'est. Et ce sera un pair. Donc, on va au nord pour 127. Des molosses avec un gros taux de corruption. Tandis que vous vous en approchez, un étrange phénomène se produit. La porte nord s'ouvre d'elle-même. Vous vous trouvez sur le seuil d'une vaste salle du trône au mur de granit, ornée d'une colonnade aux piliers de pierre noire. Entre chaque pilier se dresse un cierge noir haut de 2 mètres qui dégage une entêtante et écœurante odeur dense. Au-delà des colonnes, de lourdes tentures violettes sont drapées. Au bout de la colonnade, des marches taillées dans un socle de granit donnent accès à un trône de granit massif grossièrement sculpté. Au pied du trône se tiennent 2 des plus énormes molosses noirs de jet que vous n'ayez jamais vus. Des molosses dont les yeux luisants dardent sur vous de regards féroces. Et le trône? Et sur le trône est assis un personnage de haute taille, aux cheveux et à la barbe noire, vêtu d'une ample robe noire. L'atmosphère de menace qui émane de lui l'enveloppe comme une nuée d'orage. « Bienvenue, chétive créature, » dit-il d'une voix tonnante. « Il paraît que tu désires me voir. »« C'est lui, Pip, c'est lui. Vous êtes face avec le sorcier en slalom. » Putain, on est à la fin du truc. Quelle bataille en perspective, car vous allez le combattre, Pip, n'est-ce pas? Sinon, à quoi bon vous êtes lancé dans cette périlleuse aventure? Tout d'abord, une bonne nouvelle. Le sorcier en slalom ne tentera aucune manœuvre agressive contre vous tant que vous n'aurez pas mis en déroute ces molosses noirs. Maintenant, les mauvaises nouvelles. Chaque molosse dispose de 25 points de vie. Sa morsure inflige 4 points de dommages supplémentaires. Lancez les dés type. Allez, donc qui commence? Ce sera donc moi, je fais un 9 en plus 3, 12. Et eux, ils font un 9, moins 3, 6, c'est
C'est moi qui commence, de Molos. Alors. 127. Molos. Donc, 25 PV. Et moi, je suis toujours à 47. Tac, 127. Un autre Molos. À 25 PV. Voilà. Donc, comme je commence, je vais lancer les dés. Et on aura donc un 5 plus 3, 8. On inflige plus de 8 points de dégâts au premier Molos. Attends, 8 plus 2, non, ça fait 10. Donc là, il est à 15. Il m'attaque. 8 moins 3, 5. Il ne me touche pas. Moi, je le touche avec un 12. Et ça, plus 3, 15. Il tombe KO. Il tombe même pas KO. Je gagne, en fait. Le deuxième Molos m'attaque. Il me touche même pas. Moi, je un 6 plus 3. 6 plus 3, 9 plus 2. Bon, pour le pipe, ça fait donc 9 plus 2, ça fait 11. C'était 9, hein, on est d'accord. 11, donc ça fait 14. Si 8 moins 3, ça fait 5. Il ne me touche pas. 6 plus 3, 8. Donc je les touche. Puis je rajoute les 2 points pour Excalibur. Ça fait 10, 4. Lui, le deuxième Molos tombe KO. Je rajoute 2 points d'expérience. Putain, dommage, j'aurais pas de points supplémentaires. 17. Je suis à 47 hein, ici, je suis pas... Ok. Donc, si vous tuez les Molos, faites une profonde inspiration. Utilisez une potion ou un baume curatif en votre possession. Et malheureusement, comme je suis au-dessus de mes points, je ne peux pas. Et rendez-vous au 137. Donc, on fait... On a... J'avais oublié de montrer l'illustration, mais voilà, en salome avec ses chiens de garde, Molos, et l'air menaçant. On arrive donc à cette fin d'aventure. Mais Molos hurle le sorcier en salome, tu as tué mes Molos. Il bondit sur les pieds, bras écartés, murmurant d'atroces malédictions. Vous êtes sur le point, vous êtes prêt à subir cette épreuve, Pip. Le sorcier en salome possède 150 points de vie. Vous avez entendu? 150 points. En plus, il dispose de 10 doigts de feu, lanceur d'éclairs, exactement comme ceux de Merlin vous a donné. À toutefois avec une différence capitale. Les éclairs dans Salome n'atteignent pas automatiquement leur cible. Vous devez lancer les dés chaque fois qu'il en utilise un. À moins qu'il ne fasse un minimum de 5, l'éclair vous manque. Maintenant, Pip, que le combat commence. Que le combat magique commence. Et puisse le meilleur sorcier... gagner, sachant que donc il apparemment il n'a vraiment que, alors il a 10 doigts de feu, sauf que au bout de ces 10 trucs apparemment il a l'air de se battre à la main. Alors donc on est au chapitre 137. En Salome. 150 points de vie. Pour les boules de feu, je propose de ne pas utiliser la pierre de chance. Parce que les boules de feu, c'est... Les boules de feu, faut que je fasse un minimum de 6.
C'est dangereux, hein, ce que je fais. Je pourrais le tuer direct. Alors, déjà, je vais lancer, je vais invoquer une première boule de feu. Et on un 11, on le touche. J'ai plus qu'une boule de feu. Ah, c'est supérieur ou égal à 6. Allez, lui, il lance un doigt de feu. Les doigts de feu, c'était combien ? Doigt de feu, immédiat, attaque de 10. Lui, il doit un 5. 5 moins 4, putain, il nous touche. Même si 5 plus 4, 9, mais si je retire 3, il nous touche. C'est immédiat et c'est une attaque de 10. Donc il nous défonce 10 points. Attends, c'est immédiat, attaque 10. Ah oui, c'est une attaque de 10. D'accord, ok. À mon tour, je relance une boule de feu. 5 et 4, et bah je le défends. Voilà. C'est gagné. Et bah voilà, en salam, il est... En salam, il a cramé. Si vous êtes vainqueur, soignez vos blessures et rendez-vous au 135. Oh, ça pue, ça. 135. Comme vous vous tenez triomphant dans la salle du trône, mais sans dessus-dessous, un léger bruit derrière le trône attire votre attention. Vous allez voir de plus près, mais rien. Mais ce bruit était réel, pas d'erreur. Vous examinez le mur, inutile pour un guerrier aventurier et aguerri et un tueur de sorciers comme vous de lancer les dés cette fois. Vous avez découvert une porte secrète. Tandis que la dalle de granit pivote sur elle-même, vous savez avec certitude que les marches qu'elle révèle ne peuvent mener qu'en un lieu, la geôle de l'abominable sorcier, maintenant défunt. Tiens la courageuse... La joue de l'abominable sorcier tient la courageuse reine Guenièvre, prisonnière. Ça y est, Pip, vous avez réussi. Votre mission est accomplie. Vous êtes un aventurier de première classe, un phénix 5 étoiles. Maintenant, rendez-vous à la page 187. Et ben voilà. Fin de l'aventure. Le triomphe de Pip. Un corbeau qui planait au-dessus des champs de blé au sud de Glastonbury, Thor fit un crochet au soudain déploiement de bannières sur les tours de Camelot. Les enseignes du roi y flottaient ainsi que l'étendard de la bataille de la Table Ronde, et les couleurs de tous les comtes, ducs et chevaliers de quelque importance. Les drapeaux nationaux du Wessex, Sussex et d'Essex y figuraient. Et même un étendard romain, qui n'occupait plus qu'une place secondaire depuis qu'Arthur avait bouté les légions hors du pays. Mais surtout, plus important que tous les autres, l'oriflamme d'or de la reine elle-même claquait au vent, plus haut encore que les enseignes du roi. En toute autre circonstance, c'eût été une faute étrange contre l'étiquette, mais ce jour-là, était même le plus borné, le plus arriéré des paysans savait ce que cela signifiait et se réjouissait. Le corbeau qui, du ciel, inspectait le sol à la recherche de graines, vira sur l'aile devant ce tableau grandiose et il s'éloigna d'un vol puissant pour aller décrire des cercles au-dessus de Camelot. Quel spectacle au-dessous de lui! Jamais la cité n'avait été la proie d'une telle excitation, d'une telle turbulence dans le château même. J'ai du mal avec les intonations ce soir. Les soldats de la garde, leurs armures polies et brillantes telles des miroirs, se tenaient à leur poste, rigides comme des statues. Autour d'eux, une armée de serviteurs allait et venait, pareil à des fourmis, entrant et sortant de la grande salle de banquet où se préparait manifestement un festin. Et quel festin, en jugé par les montagnes de victuailles et de vin que l'on amenait à l'intérieur. Une grande activité régnait également au champ clos des lices où s'organisaient, semble-t-il,
des joutes et même, peut-être, un tournoi. Les tribunes étaient décorées de banderoles et de flammes. Les grands destriers sortaient des écuries avant de recevoir leur harnachement et leur capar à son camp. Ouais, c'était facile, ok, bon. Merci la pierre de chance. Sachant que j'ai pas utilisé la pierre de chance pour pour lancer les boules de feu, je... Ah, pas ça. Les jeunes seigneurs s'affairaient à astiquer lances, épées et masses d'armes comme si l'avenir du royaume dépendait de leur éclat. Des profondeurs du château, étouffées et déformées par l'épaisseur des murs, montaient des sons étranges évoquant les plaintes d'animaux à l'agonie. C'étaient les ménestrels en train d'accorder leurs instruments en vue de quelques grandes manifestations musicales. Lutte, flûte, harpe et pandore rivalisaient avec les clochettes et tambours du groupe de percussion dans une cacophonie dont il était difficile d'imaginer que naîtraient d'harmonieuses mélodies. Et pendant que la ville de Camelot s'animait de toute cette fièvre de préparatifs, une activité plus grande encore régnait sur la route menant au château. Une vaste foule s'alignait de part et d'autre plusieurs centaines de mètres maintenus hors du passage, grâce à la vigilance constante de prévôts harassés qui ne cessaient de circuler pour repousser soit un paysan trop penché en avant, soit une fermière dévorée de curiosité. Soit des bandes de gamins délurés qui se faufilaient entre les jambes de leurs aînés pour s'aventurer sur la route interdite. Aux portes principales, le pont-levis avait été abaissé et la herse se relevait. Deux haies de trompettes vêtues de couleurs chatoyantes, immobiles, aux gardes à vous, tenaient à demi relevés leurs instruments dont les reflets dorés scintillaient au soleil. Sur le pont-levis resplendissait dans son armure sa grande épée Excalibur, aux côtés, monté sur un superbe palefroy pommelé, se dressait la silhouette du roi avec sa barbe sombre. Aligné derrière lui sur plusieurs rangs, en armure de bataille, visière levée, les plumées de leurs casques voltant au vent, se tenaient tous les chevaliers de l'ordre de la table ronde, attentifs, le visage illuminé de joie. Et l'émotion. Là, il se ferme les yeux quand... Ça sent la fatigue, ça sent. Soudain, à distance, s'élevèrent les vivats de la foule, une rumeur sans cesse croissante, et se rapprochait progressivement telle une ample vague océanique venue du large. Le roi s'avança quelque peu, et oubliant la pompe royale, il se dressa sur ses étriers pour mieux voir. Une procession de cardinaux en robe pourpre émergea du château pour aller prendre la place aux côtés du roi. Derrière, les moines en robe de bure venaient de l'abbaye. Les acclamations devenaient de plus en plus fortes. Comme en réponse à quelque incitation secrète, les trompettes levèrent leurs instruments dont ils portèrent les embouchures à leurs lèvres. Puis ils attendirent. Dans le déchaînement des clameurs se révélait une exubérance désordonnée, une allégresse sans bornes. Alors la fanfare éclata et les grands destriers de bataille se cabrèrent dans l'écho assourdissant des cuivres. À bout de patience, le roi Arthur poussa sa monture en avant. Au même instant, dans la dernière courbe du chemin conduisant au château, apparut la reine Guenièvre, un peu défaite certes, mais fière et très droite, montée sur un poney piaffant de nervosité. Et menant ce poney, marchait une silhouette mince et menue, vêtue d'un pourpoint en peau de dragon, et portant une large épée qui, ses dimensions mises à part, aurait pu passer pour le reflet de celle du roi. Guenièvre, une armure là la foule, Guenièvre! Et puis, comme sur un signal caché, c'est le verre des cris de pip, pip, pip. Apparemment surpris par ce tumulte, soudain, le corbeau fit un brusque crochet et il reprit son envol vers le sud pour aller se poser sur un promontoire rocheux près de l'entrée d'une grotte dans une falaise proche du rivage. Là, il attendit, lissant par instant ses ailes, mais sans cesse de guetter la possible attaque d'un faucon. Bientôt, s'avançant sur le chemin pierreux menant à l'entrée de la grotte, apparut une jeune femme d'une très grande beauté avec de longs cheveux noirs de jais et une démarche de princesse. Le corbeau la contempla, ses petits yeux noirs luisants, sautillant sur place, mais sans faire la moindre tentative pour s'envoler. La jeune femme, si belle, s'arrêta.
Donc on a, une description de la jeune femme avec le corbeau. Êtes-vous là, mon tendre ami ? Demanda-t-elle, comme parlant dans le vide. Puis, guidée par une sorte d'instinct, elle se tourna vers le corbeau. « Est-ce vous ? » Dit-elle. Le corbeau se rengorgea, s'étira, puis se métamorphosa. « C'est bien moi, ma chère, » dit Merlin, qui se tenait maintenant à la place occupée par le corbeau. « Moi, oui, oui, vraiment. » Il prit la jeune femme dans ses bras, l'étreignit et l'embrassa avec une fougue excessive pour un homme d'un âge aussi canonique que le sien. « Eh bien, » dit la jeune femme, quand elle fut soudain enfin dégagée. Quand elle se fut enfin dégagée, « Êtes-vous allé à Camelot ?»« Oui, » répond Merlin. « Et oui, en effet, j'ai assisté au retour de la reine avant de m'envoler pour venir vous voir. » C'était un spectacle grandiose. Les bannières, les fanfares, la foule en délire. On pouvait espérer mieux. Ce n'est pas tous les jours qu'une reine est sauvée, non ? Non, non, vraiment. Et je crois qu'ils ont organisé un tournoi. Il faut que je reparte pour aller voir ça. « Donc votre protégé s'est bien comporté ?» demanda la jeune femme aux cheveux noirs. « Pip !» dit Merlin. « Ah oui, Pip, c'est très bien comporté. Oui, oui, vraiment. Quelle journée, Pip. Quelle glorieuse et quelle parfaite journée. Et quelle aventure. Remarquez comme tout le monde vous traite de façon différente depuis que vous avez sauvé la reine. Vous êtes quelqu'un maintenant, Pip. Quelqu'un de très important. » La charrette brinque-balle lentement le long du chemin creusé d'ornières qui mène au domaine du fermier John et de la fermière Marie. Et c'est bien une charrette toute neuve, à peine salie que par la poussière et la boue du trajet, une charrette que vous a offerte le roi Arthur avec le robuste poney qui y est attelé. Juste une charrette, hein, eh ben dis donc. Le roi vous proposait d'ailleurs beaucoup plus riches cadeaux, de l'or, des honneurs et même une place à la table ronde en dépit de votre âge. Mais vous vous êtes contenté de demander cette voiture et un cheval pour la tirer. Ils vous ont cru un peu fou quand ils ont su que vous limitiez là vos désirs. Ils ne comprenaient pas votre modestie naturelle, Pip. Ni le fait que vous ayez besoin d'une charrette pour transporter tout le butin que vous aviez récolté dans le château des ténèbres du sorcier en Salom. Que vont dire vos parents adoptifs quand vous allez réapparaître avec ce trésor ? 20 000 pièces d'or, 18 000 pièces d'argent, émeraude pour une valeur de 1 200 500... pour une valeur de 12 500 pièces d'or, rubis d'une valeur de 12 200 pièces d'or, diamant d'une valeur de 70 7000 pièces d'or. Sans parler de diverses babioles récoltées. Bah, tu vois, ils ont fait le calcul directement. Sans parler de diverses babioles récoltées ça et là au long du parcours. Assez pour vous acheter une nouvelle ferme. Vont-ils être surpris ? Vous serez là-bas dans une heure et quelle ne va pas être leur stupéfaction. Genre, prochaine aventure, tu arrives et tu achètes le donjon. C'est grave. T'imagines, je suis tellement riche. Le soleil baisse sur l'horizon, tandis que votre poney poursuit sa route en trottinant. Quelle journée, quelle fabuleuse journée. Pip ! Cette voix vous semble familière. Pip, excuse-moi. Seigneur, c'est Jack le Teigneux. Vous vous souvenez le garçon qui vous cherchait constamment en querelle au marché ? Comme c'est loin ce temps-là. N'importe, vous posez la main sur la garde de la fidèle Excalibur Junior. Vous avez une longue expérience du combat maintenant. Alors ne prenez pas de risques. Mais Jack le Teigneux, planté sur le bord de la route, tient à la main sa casquette qu'il tord entre ses doigts avec nervosité. Vous arrêtez le poney en lui tirant la bride. Et vous posez sur votre ancien persécuteur un regard circonspect. « Excuse-moi, Pip, reprend-il. Je sais que tu es très occupé et tout ça, mais... » Il triture sa casquette avec d'énergie. « J'ai appris que tu avais fait... Que tu avais sauvé la reine. Que tu avais fait ce que tu... Que tu avais sauvé la reine. Supprimer le sorcier en Salom et je voulais simplement te dire que je regrettais tous les... Les ennuis que je t'avais causés et je me demandais si on pouvait pas être amis. » Il paraît si misérable et vous vous sentez si débordant de générosité. Moi, je me méfierais, franchement. Il paraît si misérable que vous souriez et répondez d'un ton magnanime. Bien sûr, Jack le Teigneux. Tout dans ma voiture et je t'emmène chez moi prendre le thé. Il y aura même peut-être des brioches fraîches. Merci, Pip. Et Jack le Teigneux grimpe avec enthousiasme sur la charrette et s'installe fièrement à côté de vous. Tandis que vous secouez les rênes pour inciter le poney à repartir.
Perdu dans vos pensées, vous restez silencieux tandis que Jake le teigneux, volubile, vous étourdit de paroles quand soudain, vous voilà replongé dans la réalité par le brusque arrêt du poney. Une grosse branche d'arbre tombée en travers de la route barre totalement le passage. Regarde-moi ça, dit Jake le teigneux, jamais on ne pourra bouger. Mais si, vous répliquez-vous avec assurance. Après vos exploits dans le château des ténèbres du sorcier Anselm, un obstacle aussi dérisoire ne peut pas inquiéter Pip un instant. En roulant légèrement les épaules, vous descendez de la voiture et vous prenez votre souffle d'un élan irrésistible et vous tirez cette branche d'arbre pour la traîner de côté dans les buissons. T'imagines combien que c'est lui qui l'a placé pour voler. Et voilà, dites-vous, tandis que vous ressortez du fourré en vous frottant les mains. Un jeu d'enfant. Et vous parlez tout seul. Jake le ténu a disparu, ainsi que votre poney, votre charrette et votre trésor. La route est vide. Pas une âme en vue, sinon un vieux merle qui vous considère percé sur une brosse. Je le tuerai, régissez-vous, en dégainant Excalibur Junior dans votre fureur. Dit le merle, quel caractère! Il se détache de la branche, volette jusqu'au sol et s'approche de vous avant de se métamorphoser pour prendre la forme familière de Merlin. Et il vous dévisage comme s'il pouvait lire dans votre pensée. Ce qui est apparemment le cas car il déclare « Mais oui, Pip, c'est bien moi !» Et ce n'était pas un merle, c'était un corbeau. « Je ne me change jamais en merle, jamais !» Il semble toujours obsédé par le nez des gens. Les corbeaux sont différents. Ce sont de nobles oiseaux beaucoup plus proches d'un magicien de mon envergure. Et puis c'est plus facile de parler quand on est un corbeau. Les merles n'ont pas de corde vocale adéquate. Mais c'était sûr, exactement. Il s'assied sur une large souche. Voyons, dit-il en vous examinant de plus près. Tu as perdu ton trésor, hein? Et le cheval et la voiture que le roi t'avait donné? Quelle négligence impardonnable. Et surtout de t'être fait voler par cette jeune fripouille de Jake le Ténu. Tu aurais dû te méfier après tout ce qui t'est arrivé. Vous baissez la tête, un peu honteux. Oui, dit Merlin. Comme s'il continuait à lire dans vos pensées. Tu as été un peu trop orgueilleux. Mais oui, parfaitement. Et pour un apprenti magicien, c'est plutôt déplacé. Jamais tu ne me verras agir ainsi, moi. Il est vrai que je n'en ai pas besoin. Tout le monde sait que je suis un personnage à la fois beau, noble et tout puissant. Il croise alors une de ses jambes par-dessus l'autre et, perdant l'équilibre, il tombe de la souche. Puis il se relève en marmonnant avec humeur et en détachant les brindilles accrochées à sa robe. « Assis-toi, » dit-il en indiquant une autre souche, « et tire-toi tranquille, j'ai quelque chose à te dire. » Vous vous asseyez et vous ne bougez plus. Moi, j'en profite pour boire. J'ai de bonnes et mauvaises nouvelles pour toi, Pip, déclare Merlin. Ton aventure est finie, terminée, achevée, couronnée de succès. Voilà les mauvaises nouvelles. Tu dois maintenant regagner ton époque, ce que vous pouvez ou non considérer comme une mauvaise nouvelle. Ne t'inquiète pas, à propos de Pip, du corps de Pip, j'entends. Je m'en occuperai. Il peut rentrer à sa ferme et personne ne s'apercevra de rien. Et ne fais pas de grimaces, je me suis chargé du corps de Pip durant des années avant que tu ne l'empruntes et je peux m'en charger à nouveau. C'est très pervers. Je suis occupé du corps de Pip. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper encore. Maintenant, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que je suis très satisfait de ce que tu as fait, Pip. J'étais justement en train d'en parler avec ma petite... avec une jeune personne dont j'ai fait la connaissance il y a quelques heures à peine. Anselm était un fléau. Le pays est enfin débarrassé de lui. Et tout le mérite de ses exploits te revient. Oui, oui, vraiment. C'est pas souvent qu'on rencontre un garçon de ta trempe. Et un individu qui peut, comme tu l'as fait, passer d'une époque à une autre. Il faut une belle dose d'imagination. Et de l'imagination, tu en débordes. Je reviendrai donc te rendre visible un de ces jours pour que tu reprennes le corps de Pip. Oui, oui, vraiment. Avalon a besoin d'être... d'élite, d'accord ? Et ok, c'est très bizarre. Possédant ton talent et ton courage, je te demanderai de me rejoindre encore une fois pour participer à de nouvelles aventures. Peut-être même encore plus dangereuses que celles qui t'a entraîné jusqu'au château des ténèbres du sorcier Anselm. Mais ce n'est pas cela qui t'arrêtera, n'est-ce pas? Voilà! T'inquiète, le corps de Pip m'appartient. Je suis un vieux pervers!
Bon bah j'ai plus une seule sou, j'ai plus un seul sou, et la question c'est est-ce que j'ai perdu la pierre de chance au passage? Je pense que c'est un... On verra si... Je pense que sur le prochain livre, je prendrai pas la pierre de chance. C'est vrai que c'est quand même... quand même baisé. Elle est dans ton inventaire, pas dans ta charrette. C'est vrai. C'est vrai. Je vais y réfléchir si je la prends vraiment. Pour la prochaine aventure. Sachant que j'ai perdu tout l'or. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout un truc de corruption et... Il y a tout un truc de corruption et finalement... Tu peux pas si facilement corruptionner les gens. Alors, sauf si les 500 pièces d'or que j'avais au début... les garde. C'est-à-dire, j'avais 510 d'or à la base. Ici. Parce que tout ce que j'avais mal calculé, les 214 000... J'avais le droit d'emporter 500 pièces d'or plus les 10. Ça, normalement, théoriquement, c'est dans mon inventaire. Et la question, c'est est-ce que je garde les points d'expérience d'une aventure à l'autre? Là, je suis à 18. J'aurais même pas pu avoir un combat. Je pense que j'aurais pu trouver d'autres combats vers ici. Et on n'a pas fait le chemin vers l'ouest ici. En tout cas, c'était marrant de refaire cette aventure. J'espère que ça vous a plu. Parce qu'il y a 8 tomes hein, de ce tri. J'en ai déjà un. J'en ai déjà fait un. Je suis en train de réfléchir si jamais... Si j'avais juste acheté en grande édition le premier, ou si j'avais acheté les 3 ou 4 suivants. Bon, fin. Sur ce, les Rangers, on va pas continuer. Il est 22h40. Je vais arrêter le live là. Demain soir, on va se prendre pour l'agent secret. En fait, j'aurais même pu en fait faire l'aventure demain. Et faire du GoldenEye ce soir. Bah, tant pis. Tu voulais pas commencer iRush, iFireRush? Non, je vais pas le commencer ce soir. Je t'avoue. En fait, j'ai pas récupéré. Je suis encore assez fatigué. Surtout que cette nuit, il m'est arrivé un truc. Je me retourne. En fait, j'étais à moitié réveillé. Je me retourne. Puis d'un seul coup, je sens le chat me planter les griffes dans mon bras. Je pense que, comme d'habitude, en fait, il a l'habitude de, quand il dort sur mon flanc. Et il a une petite papate sur mon bras. C'est chiant, je pense que ça doit le rassurer. Et je me suis retourné. Il m'a planté ses griffes dans le bras. J'ai hurlé. J'ai eu du mal à m'endormir. Et ben, je peux te dire que depuis cette nuit, le chat, il frôle les murs. C'est genre style... Il a peur que je le gronde. Que je m'engueule, que je le punisse. Ça m'a fait mal, je vous jure. Qui m'a jamais entendu hurler, ça a même réveillé Rache, je vous dire. Enfin. Bon allez, sur ce, vous faire des bisous, je vous dis à demain. Demain GoldenEye, et puis à 23h le Nintendo Direct, on va découvrir ce qu'il y a. Ce que Nintendo va nous parler. Alors, qu'est-ce qu'on attend demain? On va très certainement avoir du Zelda. On a quoi? On a Advance Wars qui doit sortir aussi, je crois. Il y a un jeu avant, il y a Kirby, je crois. Kirby, je crois qu'on va l'avoir dès le début. On va avoir plus Zelda sur la fin. Il y aura une date pour Pikmin 4, on peut supposer, oui. Metroid Prime, c'est vrai. Peut-être qu'ils vont annoncer un Metroid, le Metroid Prime trilogie sur la Switch.
Peut-être. Avant Metroid Prime 4, parce que à mon avis, il va falloir replonger les gens dans Metroid Prime. Metroid. Surtout que là. Là, ils ont fini de recycler les jeux de la Wii. You. Ils ont fini de recycler les jeux de la Wii U, donc là. Ouais, ça fait 6 ans que la console est sortie. Et on commence enfin à avoir vraiment des jeux inédits chez inédits quasiment, quoi. Et quasiment plus de. De remaster de la Wii U. Tu me diras pourquoi ils n'en profitent pas. Ils ont raison, hein. Je trouve qu'ils ont eu raison. Même si nous, quand on a eu la Wii U, bah, on se sent un peu lésé. Mais, qu'est-ce que tu veux. Ah oui, tiens, au passage, je l'ai, hein, le contrôleur GameCube pour la Switch. Malheureusement, je peux pas la brancher directement à l'écran parce que mon écran ne marche plus. C'est-à-dire que quand j'allume, je vois les rétroéclairages, j'entends le son, et j'ai plus d'écran. Et je pense que c'est un peu chiant. Je l'ai par le biais de du circuit USB. Ouais, c'est gros. Bah attends, quand on branche sur la console, hop. Même... Attends, est-ce que j'ai une... J'ai une manette GameCube. On va comparer avec une manette GameCube ou en tout cas un équivalent de la manette GameCube. Donc quand c'est branché, ça ressemble à ça. Hop là. Et le retour. Là, c'est... Là, vraiment, on a l'impression d'être avec la manette GameCube, avec l'écran, le clavier d'avant. Mais ça va, c'est agréable quand même. Ça rend quand même la machine assez lourde, mais... Mais c'est agréable. Alors, attendez. Hop. Si on compare avec une manette GameCube, j'en ai pas une. Celle-là, je crois que... Hop. Attendez. Je me rappelle. Bon, c'est une officielle, celle-là, c'est une... Non, c'est même pas une officielle, c'est... Bon, bref. On va partir sur le principe que c'est les mêmes dimensions. Donc, si je prends une manette qui est à peu près les mêmes dimensions. Alors, au niveau des poignées... Ouais, elle est légèrement plus haute, en fait. Elle est légèrement plus haute. Il y a plus de poignées, on va dire. Il y a plus de poignées parce que si on regarde... Alors, je ne sais pas comment on peut comparer exactement, mais si je la mets comme ça... Là. Tac. Si je la mets comme ça, on voit qu'elle est légèrement plus haute. Si je la mets au niveau des boutons à peu près... hop là. Comme ça. Là, les boutons, donc ouais, elle est légèrement plus haute. Pas plus grande. Et au niveau des boutons, sinon, ça va. En fait, c'est plus la poignée ici qui est plus grande. En ce moment, sur Twitch, il y a plein de gens qui jouent à plus de large. Je dois attendre vendredi minuit. Comment ça se fait? Parce que c'est la Switch ou c'est le PC? Moi, j'y jouerai pas, ça m'intéresse pas. Par contre, au niveau... Si je la mets avec le truc ici... Elle est plus large, hein. Elle est carrément plus large, bah c'est à cause du central. Donc attendez. C'est assez difficile, mais on le voit au niveau des boutons, hein. Si je la mets au centre, vous voyez que les boutons ils sont bien plus larges. Par contre, le seul bémol c'est que c'est plus c'est pas des c'est juste un bouton, tu vois, c'est pas une gâchette une vraie gâchette. Et dommage que Nintendo ils aient enlevé les gâchettes. Là, c'est ceux qui ont la version de Luis qui jouent. Ils ont plus de 72 heures de jeu en avance. Ah ouais, c'est chiant. Parce que c'est quand? C'est le... On est le combien? On est le 7.
sort le 10, c'est ça? Officiellement. Ah oui. Et tu l'as pris quoi en version boîte? Sur PC, sur console? Tu l'as pas pris sur Switch? Xbox. Bon bah on va voir. Voilà, attends, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ouais, du coup, Advance soir, je sais pas si j'avais, je crois que j'avais déjà testé sur j'avais déjà testé Advance soir. Tiens, merci. Hop là, merci. Advance soir, je l'avais déjà testé sur Game Boy Advance. Petit jeu de tactique, sympa. Xbox Series Sum, pourquoi? Marche très bien la Xbox. Non, parce que c'est aussi sur PS5, c'est la version normale du coup, ils l'ont pas. Ça aurait été pareil sur PlayStation, hein. Ou sur PlayStation. Je suis pas dans la guéguerre des consoles. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. PSM 5. Ouais, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Après, il va pas y avoir que du jeu Nintendo hein, demain. Mais déjà, rien que quand on annonce tout ça, ça fait... Attends, ça fait beaucoup, hein. Pikmin, Metroid. Il y a Kirby. Kirby, ils doivent communiquer. Il y a Zelda. Il y a le Advance Wars, ça fait déjà 5 jeux Nintendo. 40 minutes, hein, demain. Super Mario Odyssey 278. Je ne pense pas. Moi, je parierais sur le fait qu'ils sortent Metroid Prime. Metroid Prime Trilogy. Et je pense qu'ils vont dire, c'est bon, Metroid Prime, c'est prévu pour la fin d'année. Ou pour l'année prochaine. Mais avant, on vous sort Metroid Prime Trilogy. Ils parleront sans doute d'Octopath Traveler 2 qui sort fin février. Effectivement. Jamais fait le 1. Il paraît que c'est génial. Il y a un pack d'extension pour Pokémon aussi. C'est sûr, ça? Ça m'étonnerait pas, mais parce que il y a 2-3 ans, quand ils avaient sorti Pokémon, bouclier épée, genre 6 mois après, il y avait le pack d'extension qui remplaçait la troisième version du jeu. Mais ce serait pas étonnant. Hein. Mais je parierais plus sur le fait qu'ils l'annoncent plutôt lors du Pokémon Direct en novembre. Je pense qu'ils ont plus de chances de le sortir là. À voir en tout cas. Avant en tout cas. Peut-être qu'ils vont dire hey, regardez, on prépare une nouvelle console. Ceci dit, s'il y avait une nouvelle version de la Switch, genre tu sais, une Switch entre guillemets pro, enfin plutôt une Switch 2, moi je parierais. Ils l'auraient annoncé au mois de janvier. Quoique, attends, Zelda il l'avait sorti au mois. La Switch et Zelda il l'avait sorti au mois de mars. Sinon pourquoi pas un Yoshi ou un Donkey Kong? Oula, il serait capable de remettre. Pourquoi sortir une nouvelle console? Bah parce que le matériel il se fait vieux. Les premiers modèles commencent à bien tomber en panne comme le mien. Eh, je déconne pas, hein. Regardez, je vais vous mettre sur la console. Donc la console. Tac, la Switch. Donc là, je suis sur la chaîne de la Switch. J'allume la console, d'accord? Donc, hop. On est d'accord que... Eh bah, si je la prends,
l'écran, il est allumé. On entend. Je sais pas si vous l'entendez. Attends, c'est où les haut-parleurs? On entend, mais j'ai plus d'écran. Et il faut que je trouve pourquoi. Les PTDR, ils s'en foutent, ça se vend comme des mastodontes. Mais j'avoue, ils ont passé la barre. Ils sont sur le podium maintenant des consoles les plus vendues. Une Switch 2, c'est obligé en 2024 ou 2025. Pourquoi pas? Moi, je parierais effectivement qu'il y ait une nouvelle, un nouveau modèle amélioré de Switch. Pas une Switch Pro. Ou alors, ils vont l'appeler la New Switch comme ils ont fait avec la 3DS. En 2024, ça fera 7 ans. Effectivement, quand on regarde que la Wii U, elle est sortie en quelle année? En 2012, je crois. La Xbox One et la PS5 sont sorties en 2013. Ils sont sortis tous les deux en 2013. Et la nouvelle version est sortie en 2020, je crois. 2019 ou 2020? Wii U, c'est pas 2012. Si, si, je crois que c'est ce que j'ai dit. 2012? J'ai dit quelle année? Je crois que j'ai dit 2012. La Wii, elle est sortie en 2007. Mais 2007-2012, ça veut dire que la Wii U, elle est sortie en... Attends, attendez. Hop, navigateur. Alors, hop. Donc. Tac, tac, tac. J'ai dit la Wii. Bah, la Wii, c'est, c'est 2007. Non, mais j'ai dû dire Wii U. La Wii U, elle est sortie en... La Wii U, elle est sortie en 2012. Sauf au Brésil en 2013. Fin de production en 2017. Donc la Wii U, elle a vraiment eu un cycle de... Elle a duré vraiment 4 ans, quoi. 4-5 ans. La Switch, elle est sortie en 2016. 2017, donc 5 ans. Et la Wii normale, elle est sortie en 2007, je crois. 2006. Ah ouais, carrément, 2006. Alors, c'est la... Parce que c'est la Xbox 360 qui est sortie en quelle année? Et il me semble que la Xbox 360 est sortie en 2005, voilà. Donc la PlayStation 3 et la... Je savais que la Xbox était sortie un an en avance par rapport à la PlayStation et la Wii. D'accord. Ouais, effectivement, la Switch est à 125 millions, elle a dépassé la Game Boy en vente. Après, rien n'empêche de dire, on sort un new Switch... Comme ils ont eu l'habitude avec la new 3DS, par exemple. Et en fait, elle est un peu plus puissante. Franchement, je pense que ça leur coûte. Je pense que ça leur coûterait rien. Puis, comme on dit, hein, même s'ils ont démenti qu'il n'y avait pas de Switch dit Pro, c'est des informations officielles, rien n'empêche que derrière ils puissent faire d'autres des galères à gérer pour le parc de jeux. Bah pas forcément, regarde déjà la Xbox 300, la Xbox Series S et la Xbox Series X et la Xbox 360. Regarde déjà sur la PlayStation pour les jeux enfin tu me diras les jeux PS4, PS5 c'est différent, mais regarde pour Xbox ils ont trois versions. Ils ont la version Xbox One, Xbox One X, donc ça fait 4 déjà versions, Xbox Series S et Xbox Series X. Xbox, ils ont 4 versions de jeu pour ceux qui font sur tous les trucs. Ou sinon, c'est deux versions. La Xbox Series S et la Xbox Series X. La Wii, quand ils ont sorti des jeux sur la 3DS, quand ils ont sorti la New 3DS, il n'y avait quasiment pas de jeux qui étaient exclusifs. Il y en a eu un ou deux, mais c'est tout. Regardons les consoles. Consoles et périphériques. Alors, donc on en était sur du portable. Bah, New 3DS. La New 3DS, ils en étaient à... caractéristiques.
Il me semble qu'il y avait un seul jeu qui était exclusif. C'est pareil, il y avait eu la DS et son évolution. T'avais la DS Lite et t'avais la DSi pour qui avait une caméra. Et t'avais juste un jeu qui était exclusif sur celui-là. Après, la 3DS, elle avait un joystick en plus, elle était un peu plus puissante, donc ça a réglé surtout des problèmes de chargement. Deux jeux spécifiquement conçus pour utiliser le nouveau processeur de... Ah oui, Xenoblade, voilà, c'est ça. C'est ce que disait Buffy. Xenoblade et Fire Emblem Warriors. D'autres jeux indépendants téléchargeables via eShop ne fonctionnaient également que sur les modèles New 3DS et New 2DS, parmi les plus connus. On peut citer Binding of Isaac. Les jeux Super Nintendo également disponibles à l'achat sur eShop sont également jouables uniquement sur ces consoles. Par ailleurs, certains jeux proposent des améliorations sur les jeux sur les modèles New. Par exemple, Yoshi Woolly's World se joue à 30 ou 60 images par seconde selon la console et Hyrule Warriors ne peut être joué qu'en 3D stéréoscopique que sur les modèles New. Pour finir, les versions New offrent des temps de chargement plus rapides. Voilà. Ouais, DS, DS Lite, DSi et DSi XL. Moi, je l'ai eu quand ma DS Tank était morte. J'ai acheté une DSi. Crypto, tu peux. C'était à l'époque, j'étais à Pixmania. Et genre 2 ans après, j'ai acheté la 3DS. Je la trouvais. Je trouvais par exemple la DS et la 3DS, la DS Lite et la DSi, je trouvais qu'elles étaient pas belles. Elles avaient pas de charme. Alors que la Tank, la DS Tank, donc la DS originale, elle faisait vraiment grosse, mais je trouvais qu'elle avait de la gueule. Je me rappelle de DJ Hero. Oui, bah oui. C'était sur Xbox, c'est ça. Allô. Bah le mec m'avait volé carrément mon jeu. C'est vénère. Je recevais mes jeux, j'achetais mes jeux pendant les trucs de boulot et puis je les stockais quoi au boulot, temps de les prendre. Derrière la photo. Ah ouais mais bon ça me faisait chier, je me saoulais quoi. Bref. Tu me dois 400 balles. Enfin, allez. Mais ouais. T'es un voleur en broker, tu voles et puis après tu rends. Tu voles aux riches pour redonner aux riches. Donc j'étais pas riche à l'époque. Hein. Je suis pas ergonomiquement conçu pour. C'est vrai. Alors, comment maintenant quoi. Bon allez, sur ce, les rangers, je vais vous faire des bisous. Je vous dis à plus tard, moi je vais aller reposer un peu ma voix et boire un peu parce que pour la soulager. Et demain on se retrouve pour GoldenEye et le Nintendo DS. Des bisous, bye bye. Et une bonne nuit à tous. Je vais aller regarder The Last of Us. Allez, des bisous. Ah, bien évidemment, ça a coupé la musique. Faut vraiment que t'arrêtes de couper la musique, toi. Allez, bisous.